Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en fait où on va découvrir un colis de C'est mon étiquette. Donc let's go! Je remercie C'est mon étiquette pour m'avoir envoyé ce colis. Donc on va découvrir ce qu'il y a dedans. Donc voilà le colis maintenant. Wow. On va découvrir. Donc il y a un papier jaune comme ça, donc on s'affiche un peu. Il y a un carton. Je sais pas. Pourquoi il y a un carton? Bah regarde. Donc maman a choisi un article pour moi. Donc c'est dans un carton. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Oh, c'est une tasse! Oh, trop beau! C'est une tasse. Regarde comment qu'elle est belle. Ah ouais, en fait tu l'as personnalisée. Voilà, en fait, c'est une tasse personnalisée. Voilà la tasse, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc il y a des arcs-en-ciel, des glaces, il y a vraiment beaucoup de choses. Des licornes, des dinosaures. Franchement, elle est trop belle. Et en plus, c'est écrit Luna. Ah oui? Oui, il est écrit Luna. À l'intérieur, elle est toute rose. Et sur la petite anse, pareil, toute rose. Franchement, elle est trop canon. Donc ça sera, vu que c'est écrit Luna, on en fera aussi une pour mes frères dès qu'ils seront plus grands. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de tasse, sachez qu'il y a plusieurs motifs de disponibles. Pour les garçons. Voilà, pour les garçons, pour les filles. Franchement, il y a plusieurs thèmes. Et aussi pour les bébés. Et vous pouvez personnaliser avec ce que vous voulez d'écrit dessus. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Ah oui, t'as vu, c'est trop beau. Hein ouais. Et du coup, on vous mettra le lien pour créer votre tasse en barre d'infos. Ah, il y a un carnet. Et ensuite, c'est le carnet d'étiquette, je pense. Voilà. Et le carnet se présente comme ceci. Je le trouve trop trop joli. Et après, j'ai aussi rapporté ma trousse, mon cartable et tout pour pouvoir coller les étiquettes. Donc, oh, trop beau. Et voici, le petit carnet se présente donc comme ceci. Vous avez toutes les petites rubriques avec ce qui est noté. Donc vous voyez écrit étiquette autocollante objet, autocollante objet, autocollante objet, autocollante chaussure, autocollante objet et autocollante pour les vêtements. Donc franchement, ça on les mettra du coup dans les vêtements de sport de Luna. Et vous pouvez aussi retrouver des codes promo. Donc pour 3 euros, ça vous fait une planche offerte. Donc franchement c'est 3 euros les 10 étiquettes et ça vaut vraiment le coup parce que franchement elles sont canon, vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez, donc vous choisissez vos couleurs, ce que vous voulez écrire dessus, vos petits logos et plein de choses. Et comme ça on n'écrit pas dessus et c'est carrément bien écrit. Voilà, et ça colle vraiment bien, franchement je suis très très heureuse de vous présenter ceci aujourd'hui. Parce que ces étiquettes là sont vraiment géniales. Donc les premières étiquettes ce sont des petites étiquettes pour coller sur les vêtements, celles-ci. Et on a mis Mademoiselle Luna L avec son prénom et son initiale. Ensuite c'est... Ensuite on trouve des petites étiquettes avec écrit le stylo de Luna. Donc ça sera pour coller sur les stylos. Ensuite nous avons fait des étiquettes pour les chaussures. Donc pareil, on a mis Mademoiselle Luna. On met à l'arrière, c'est ça? L'arrière de la chaussure? Non, non, tu les mets carrément à l'intérieur de la chaussure. Ah, mais j'ai cru que c'était le truc pour l'arrière. Ensuite, on a fait des étiquettes un tout petit peu plus grosses. Et toujours dans les mêmes coloris parce qu'on a trouvé ça trop joli. Et on a écrit Luna la licorne. On a aussi fait ces petites étiquettes pareilles pour coller... sur des objets, donc voilà, c'est écrit Luna classe de CE2, donc on peut mettre ça sur une règle, dans une trousse, etc. On a refait le même style d'étiquette, mais avec son nom de famille pour l'école. Oui, parce que, mais on ne vous montre pas mon nom de famille. Et ensuite, les dernières étiquettes sont des étiquettes à coller à l'intérieur de ses sacs, de ses valises, et voilà. Et donc on avait oublié cela. Voilà, et ça c'est les dernières, donc en thème galaxie avec une petite glace, regardez-moi comment c'est magnifique. T'avais oublié ça. Ouais, c'est trop chou. Il y a aussi des étiquettes autocollantes pour accrocher là où on veut. Ça sera plus pour mes frères parce que c'est pas trop pour moi ça. Alors je vais coller mes étiquettes sur les stylos, donc le stylo de Luna. Donc on va mettre sur mon stylo effaçable. Voilà, t'es prête? Oui. Allez, vas-y. J'ai trop hâte. Donc voilà ce que ça donne collé sur le stylo. Je trouve ça trop mignon. C'est super sympa. Et ça colle super bien. Franchement, j'ai rien à redire. Oui, et en plus, c'est super sympa à mettre. Et c'est trop stylé. La petite étiquette, elle est vraiment trop stylée. Il y en a aussi pour les garçons. Hein. Voilà, vous pouvez vraiment. Il y a plusieurs thèmes.
Il y a thème galaxie, il y a des thèmes tout simples et tout. Bah comme tu veux, mais je préfère sur la longueur, je trouve que ça fait plus beau. Et du coup, on va vous montrer ce que ça donne sur les affaires d'école. Oui, parce qu'on en a mis. Donc là, je le mets là. Ouais, vas-y. Juste, il faut que je mesure avec, donc ça va être sûr. Maintenant, tu mets entre les deux. Ouais. Ça fait stylé, hein. Et puis tu peux en mettre à l'intérieur oui, de ta trousse. Ah oui, donc c'est lequel pour la trousse? Bah tu mets comme tu veux. Donc je viens de finir de coller toutes les étiquettes, ça fait vachement beau. Donc je vais vous montrer à part à mon cartable parce qu'il y a mon endroit où j'habite et mon nom de famille. Donc voilà, je vais pas vous montrer par contre dans mon sac. Donc premier, dans la trousse on va dire. Donc c'est ça, donc c'est écrit Luna, classe de CE2. Je sais pas si vous voyez très bien. Ouais. Donc voilà, ensuite sur mon chiffon, j'ai mis écrit Luna. Avec un fond galaxie et une petite glace. Voilà. Ensuite, mon taille crayon, c'est écrit Luna la licorne. Donc j'ai mis à l'arrière parce que ça pouvait pas tenir ici parce que ça, il y a sa bouche et il y a ses oreilles. Donc j'ai changé de taille crayon. Hein. Ensuite, la gomme. Donc, la gomme, donc, c'est écrit comme Luna la licorne aussi. Voilà. Donc, voilà mon compas. Donc, avec Luna la licorne. Il y a beaucoup de trucs avec Luna la licorne. Le stylo de Luna. Ensuite, mes ciseaux avec écrit Luna la licorne. Il y a beaucoup de Luna. Ouais. C'est bien parce que toutes ces petites étiquettes, elles s'adaptent sur tout en fait. Oui. Celles-ci, elles sont un petit peu plus grosses que celles des stylos. Et regardez. Et elles sont franchement top. Et on peut pas découper du coup le papier. Voilà. Donc voilà, l'effaceur va écrire Luna la licorne. Ensuite, on a plein de stylos. Voilà, elle écrit le stylo de Luna. Donc voilà, cette vidéo est terminée et je suis trop contente parce que le mug il est vachement beau. J'ai beaucoup de mugs. Hein. Luna, elle collectionne les mugs là, ça y est. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao!